Eh bien, salut tout le monde, c'est Wizzy, aujourd'hui on se trouve pour la suite du Let's Play. Donc, après avoir encore battu des Noctiflammes qu'on en a marre de les battre tellement c'est chiant, on va parler à Sabina. J'ai fait emmener Divim à la petite galerie. Ah oui, c'est vrai, Divim, MDR, il est malade depuis des années. Le pauvre. Faire un million d'années qu'on essaie d'avoir un antidote pour lui. J'ai un petit lag, j'ai cru que j'allais me faire choper. Dès que j'aurai fait fondre l'enveloppe de résine, administre-lui le remède. Coucou. Le corps de Divim est froid et rigide, mais pendant quelques instants qui te semblent une éternité, il ne se passe rien. Oh, quel goût abominable. Ouah, bah tu me l'excuseras, on t'a soigné quand même. Hein. Donc, nos ralages. Nos ralages, ma poule. Bing. Bien joué, lanceur de... Mes hommes ramèneront Divim. Va dire au roi Piat, le chemin qui t'attend est sombre et plein de dangers. N'hésite pas. Ouais, peut-être. Je crois qu'on est bientôt au Faro Gaz, normalement. J'espère, parce que... C'est-à-dire bientôt fin de la partie 1. Oui. Parce que j'aime pas Chrysalis, c'est beaucoup trop long. Bon, l'histoire intéressante, de toute façon, l'histoire intéressante dans tous les mondes, mais... Waouh, c'est long. Alors, qu'a répondu la reine Sabine? La reine de l'ombre va certainement ruminer. Je sais que tu as hâte d'affronter la reine de l'ombre en personne. Le palais de l'ombre se trouve au bout du monde. Mais comment t'y rendre? Tu es sûr de pouvoir faire confiance à cette menthe? Quelle époque étrange, qui requiert des alliances plus étranges encore. C'est vrai que quand même, une manche, une souris et une autre souris. C'est quand même étrange comme alliance. Tu veux t'aventurer? Lorsque la reine de l'ombre a précipité, mais après les avoir pillés jusqu'au dernier grain, elle l'a précipité dans le vide depuis les cieux. Il s'est brisé. Toutefois, quelques fragments d'étoiles sont restés accrochés dans le ciel. Par contre, je n'ai pas la moindre idée de comment tu peux t'en procurer une. Ah, donc tu sais rien, quoi. D'ailleurs, elle donne quoi, elle? C'est l'artisanat de... Pour qui, déjà? Ah non, c'est carte trésor. Ouais, la bonne carte. Il y a des bonnes CT, hein. De rien. Si vous voulez pas mal de CT, il y en a là. Il y a quoi comme sort? Ah, on peut avoir Gargantua sans CT, c'est pas mal, ça. Ça peut servir. Hey, me coince pas. Non mais. Mal autrui. Tu cherches une pierre d'étoile filante. Chien fantôme. Ah voilà, le fort casse. Je crains fort que même toi, tu... Il existe une ruine qui donne sur le fort Rat, mais uniquement pour faire diversion. Si tu y parviens, cherche ma sœur de chasse, Zarosinia Champfuneste. Essaie de la convaincre que vous êtes dans le même camp. Elle t'aidera. Oh, tu peux pas lui dire, je suis ta sœur, ouais, tu me laisses laisser dans ton même camp. Ce serait plus simple, non? Aucune logique, hein. C'est nous qui vont tout faire comme d'hab. As-tu un plan? Oui. Donc, au moins, une fois sur place. Tu es les méchants. J'ai hâte de connaître l'issue de cette histoire. Bon, on peut TP, ce sera plus rapide. Mon autre perso juste à côté. Pichour. La tour Mélanos. Ces lieux furent le... Nous devons chasser la Légion des Ténèbres. Ouais, de la on tour a dit Mélanos. Avec nous. Ouais, des dégâts. Et la défense aussi. Ouais, je suis presque immunisé feu, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, let's go pour cette tour. La tour Mélanos. Par contre, j'en repartant en XP par, par rapport à mon perso est déjà 97, là je suis pas encore 97 moi. La sécurité a été quelque peu négligée. Ça c'est parce que aussi j'ai quête mine de rien, j'ai des dans la quête et ça donne un peu d'XP quand même, tout ce qui est mob et donjon. Vous êtes prévenus. Non, tu vous m'avez pas prévenu, c'est faux. Donc là on a full dégâts MDR. Ça va être débile.
Mon tempête, il a combien de dégâts là? 139. Ça va. Ça doit le faire. On dit vite, mais elles sont quand même pétées les stats qu'ils nous donnent. Hein. Même pas mal, ma gueule. Faut que j'arrête de parler comme une racaille, ça me va pas du tout. Par contre, j'ai toujours autant rien. Parce que là, moi, un petit orage, ça les tue facilement. Hein. Et quel dégât que j'ai? Je me souviens la dernière fois qu'on avait eu Blue Divine, quand Chris était sorti, on était en mode waouh, trop bien! T'es cheaté là, c'est quoi tous ces dégâts que t'as? Parce qu'en fait, les gens envoyaient des screens sans montrer qu'on avait un pet. Du coup, waouh, t'es trop fort! C'est juste un putain de pet en fait. Je me souviens, c'était drôle au début. Je sais même pas combien de dégâts je vais faire avec mon glace là. Pour moi, ça les étourdit. Attention, un glace avec un peu plus de dégâts. Ça reste pas fou. C'est même pas fou du tout. Hey, mais. Il m'a tout défoncé. Alors. Ah, si, j'ai quand même orage. Bon là normalement ils sont morts quand même, faut pas déconner. Ouais, critique c'était pas obligé hein. Non, par qui? Tu nous as peut-être... Un magicien à tête de mort? Ils ont souvent des cristaux de lune sur eux. Ils pourraient s'avérer être utiles. Bien sûr que c'est utile, tout est utile. Quand ils nous font vraiment monter la moitié de l'escalier, tu sais. C'est pour un rien de scorpion grotesque, m'ont encore fait fondre. Je me prends l'escalier sur mon perso. Bien, alors il ne me reste plus qu'à te supprimer moi-même. Eh, c'est méchant ça, me supprime pas s'il te plaît, c'est gentil. Un tempête, nice, ça fait chier. On va mettre des prismes. Prismes. Bon, en vrai, je pourrais prendre feu de l'ombre, hein, ça marche aussi. Hein. Pour les prismes. Et merde, ils sont en face. Et on n'a pas la prière parce que c'est pas drôle. Pas pourquoi j'ai chanté ça, hein, mais je me posais pas la question. S'il vous plaît! En fait, une feinte. Et gentil mob. Et paf. Une feinte. Paf le loup. Ouais, on va mettre ça en... Hein. Il fait peur avec tous ces pifs là quand même. Hein. Est-ce que j'ai le droit d'avoir peur? Il flop. C'est encore plus flippant. Ah la 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 la. Qu'allons-nous faire, jeune enfant? Nous allons mettre un pavois. Ouais. On va mettre une lame. Ah, ils nous attaquent tous. Madame! Ouais! Pas gentil!
est même pas mal. J'ai tellement de résistance là. Par contre, j'ai eu à prendre un peu plus cher. Babo. Mais je l'ai qu'une fois cette lame, c'est pas cool. Mais ils m'ont pas voir. Même mon tempête il flotte pas la lame. Parce que ce serait bien aussi ce serait de trouver le prisme ou avoir un pif de l'ombre. Ce serait moins bien. De résistance. Toujours plus. Ah ouais, là c'est bien, j'ai les pifs et tout ça, mais c'est un tempête. Toujours plus de dégâts, mais toujours pas de... toujours pas le sort que je veux. Prisme, où es-tu? Gentil toutoune. Sois pas méchant. Fais pas boum 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 avec tes arbres sur ma gueule. S'il te plaît. Même, hein. Pris pour un punching ball, quoi. Oula, j'en crains de mauvais boost parce que comme d'hab, j'ai pas le sort. Ah. Le prisme. C'est la vie, le prisme. Par contre, lui, il me fait peur avec ses puffins. Le pire, c'est que pour être sûr que je l'ai, ils m'ont mis les deux prismes dans la même main, plus le fouet de l'ombre au même tirage. Ils sont foutus de ma gueule, le jeu, quoi. Faut MDR, tu le voulais? Bah tiens, on te file tout d'un coup. S'il vous plaît, mais t'en dis, c'est pas, c'est chiant, là, t'en as trop quoi, c'est pour... Chpouek. Ouais, au cas où, j'ai pris ça, hein. Si jamais si se mettait un shield. Badaboum, boum, 10 000 seulement. Oui, du coup, oui, il sert à rien, mon plus 20, plus 30 tempêtes. Mais on en a pas besoin. Clairement. Je croyais que seule la reine. D'ici, tu vois bien le fort Rakias. Utilise les cristaux. Dépêche-toi ensuite de descendre et retrouve-moi devant la tour. Les cristaux. Tu ne fais plus que tu invoques ton sosie de l'ombre. Et le projette en l'air, comme Sophia côté ah obscur oui, te l'a enseigné. Ceci de l'ombre, ça me souvient. Finalement, ton image s'élève dans le ciel, bien visible et menaçante. En guise de réponse à ton c'est défi, chelou. Des hurlements furieux se font entendre depuis salut. Le fort Rakias. Comment ça va? Moi ça va bien. Et vous?
Il y a mon double qui est apparu. Seulement. Je sors. Oui. 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 Je suis pas bien dans ma tête. Hop là. Coucou Divim. Je crois qu'ils ont compris. Dès qu'ils seront partis, glisse-toi à l'intérieur avant de te faire repérer. Allons dans la cachette. Parce que c'est vrai qu'on va pas nous repérer, MDR. Et maintenant, vite! Vite, vite, tu me donnes pas d'ordre? D'abord. Attends, je dois d'abord y aller avec mon tempête. Il y a plein de filles ici. Par là. Excusez-moi. Ah, le Forakias, alléluia. Bonjour. Je n'aurais jamais pensé. Zaltana nous a dit de chercher la mante chasseuse Zarosinia. Combattons ces danseurs ténébreux pour arriver jusqu'aux portes. Ouais, parce devant. Qu'on a que ça à faire. Elles ont l'air plutôt imposantes. Bon bah... On va battre ça, hein. Allez. Merci. Bon, du coup, maintenant on doit faire la salle à manger. On doit faire à manger, c'est ça? Ou on va passer à table? Ou on va être le festin? C'est une question qui se pose. Hein. Bah, on va plutôt être le festin, le du coup. Gong, toi? Non? C'est probablement parce que tu es ici trop tôt. D'ailleurs, on va enlever les prismes. Si tu veux m'aider un peu. Ils servent plus à rien, ils se prennent la place pour rien dans le bec. À la soupe! YOLO! $23,000, ça va. En plus, on a toujours Divim avec nous. Et ça, c'est puissant. On t'a pas intérêt à faire un mini fruit, hein. Tu seras gentil. Quoi? Bonjour. Faut taper tous les tours, c'est ça? Au pire, vas-y, fais-nous ça, hein. Moi j'ai de la résistance tempête, donc ça fait pas si mal que ça, hein. Sinon, moi j'ai tapé assez rapidement, donc bah, vas-y. Ah, beau Phoenix. C'est beau. C'est beau, putain. Ouais, ça, je crois qu'il faut taper tous les tours normalement. Mais bon, vu la résistance qu'on a, on peut un peu s'en foutre. On a super Divim! Putain, Divim est toujours avec nous, hein. Ouais, ça. Ben on va faire ça. Puis on peut taper prochain. Alors ça va être fun les dégâts qu'il va me faire, hein. 91 de résistance, 34. C'est là où c'est jouissif d'être glace quand même. Tu prends zéro dégâts. Et t'as beaucoup trop de vie. C'est trop bien. Bla bla bla.
Ah bah tiens, il servit lui. Et cucu. Ok. J'avais la souris bloquée comme d'hab sur l'écran d'à côté. YOLO. Je sais pas si je vais le tuer, hein. Mais j'ai amplification. Enfin, j'espère peut-être faire 23 000. J'avoue, c'était un petit peu gourmand. Au pire, je finirai avec mon glace, hein. Il salue. J'ai quand même pas mal de lames. Peut-être pas 23 000 quand même, hein. J'ai peut-être de vue un peu gros. Oh, on est pas loin! Par contre, j'ai absolument sur rien. On va tenter des choses, hein. MDR, un petit orage à un pif. Bon, ok, il est mort. YOLO, orage à un pif de 1800. C'était même pas un bord-pif, c'était un pif tout simple. Je n'en peux plus. Quelle horrible créature. Vite, actionne le levier. Dépêchons-nous de passer cette porte. Oups. Oui. Oui, monsieur. Attendez, faut que je l'active aussi avec mon tempête. Ah, la divine cerf-blanc. D'accord. Et pouf. Oh, il y a combien de mobs déjà? Je crois qu'il y a 4 boss, hein. Tout comme ça. Il n'y en a pas beaucoup, ça va. Voilà une bonne chose de faite. Oui. Exact. Nous devons certainement rejoindre la salle de l'autre. Ouais, à chaque côté fois c'est tu bats de mobs, puis après tu fais le truc, tu bats de mobs, après tu fais le truc, et maintenant je te couvre. Bon bah, let's go, hein. Des tempêtes pour le fun, pour changer. Ok, du coup, on va faire. La chambre de la métamorphose. On va se faire métamorphoser en quoi? Tiens donc, un sorcier. Ah, il y a un double boss. Oui. Sauf si on s'en débarrasse assez vite. Il y en a qui sont en casse. Bon, ça devrait... être torché, 20 000. Ça doit aller. Non, ce que j'aime pas, ce que je... Oui, c'est quand même que je vois un peu un mythe. J'aime pas les mythes. En vrai, la feinte aurait été plus importante sur le glace, parce que j'ai déjà rempli sur mythe. Oh. Allez, on met des feintes à gogo. Je sens que il va faire un 6, je vais quand même perdre cette lame, mais tant pis, on tente le tout pour le tout. Ça c'est chiant quand même, étourdi de tour. Ça c'est mon glace après. Mais si, c'est attaque quand même. Mais surtout beaucoup trop pété en JCJ. Ça. Ça on va regarder au cas où. De toute façon on est tourné, hein. Donc bonne nuit.
Oh putain, du me pif. Fait mal lui quand même. Tellement belle cette attaque, c'est vraiment l'une de mes préférées. Enfin ça je vous le dis à chaque épisode presque, mais bon. Elle est trop belle. Ça enlève votre pif. C'est vrai. Pourquoi j'ai rien? En fait limite c'est comme si mon tempête était freeze aussi, parce que de toute façon j'ai pas joué. Grenouille bœuf. M35. Quand je l'ai pas aussi. On se calme. YOLO. Tuons-les. Bonjour, je suis des sirènes. Pouvez-vous nous libérez-nous. Oui, monsieur. Oh, on a une solarite. Allez, on libère tout le monde. Eh bien, on libère, mais après, il se referme parce que... Pour que les autres membres puissent aussi ouvrir. Merci, chère souris. Merci, bon sorcier. Nous sommes un bon sorcier. Quelles horreurs nous attendent encore en ces lieux. Allons découvrir. Beaucoup d'horreurs, moi, je dirais. Bonjour. Nous devons trouver un moyen. Bon, comme d'hab, demain, puis le boss. Et puis, oh, les gains de niveau. On fera ça du coup pour le prochain épisode. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.